Alléluia. Voilà, ce matin, le thème est simple. Demeurer dans la victoire. Alléluia. Et la manière dont je vais aborder les choses, peut-être que ça va vous étonner, mais j'espère bien que le Saint-Esprit sera en train de parler à chacun d'entre nous. J'ai deux textes que je lirai de façon séquentielle. Le premier texte se trouve dans Matthieu chapitre 6. Je pourrais lire du verset 25 jusqu'au verset 34, mais comme on n'a pas assez de temps, je vais lire juste quelques parties. Matthieu chapitre 6. Vous qui écrivez, vous pouvez écrire à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Et nous lirons également Actes chapitre 27. Je vais lire juste quelques versets, mais tous les chapitres 27 nous intéressera dans cette intervention. Et pour terminer, nous allons également lire dans Philippiens, au chapitre 4, le verset 6 et le verset 7. Je commence le premier texte, Matthieu 6. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Je voudrais qu'on aille un peu plus loin. Le verset 34, si vous voulez. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Actes chapitre 27, verset 37 à 30. Pardon, Actes 27, verset 27 à 30. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Actes 27, 27 à 30. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres, etc. Donc je vous ai dit que tous les chapitres 27 de Actes vont nous intéresser. Pour terminer, Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, un passage que nous connaissons, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Demeurez dans la victoire. Vous savez, les combats spirituels, c'est la vie normale d'un enfant de Dieu. Personne ne peut s'arroger le monopole du combat spirituel pour dire que nous, c'est le combat spirituel. Non, non. Un chrétien, un véritable chrétien est engagé dans un combat. Tant que tu marcheras dans la volonté de Dieu, tu auras à faire face aux esprits impurs, aux forces du mal. Si tu es dans la vérité, c'est comme ça que quelqu'un chez nous a dit, si tu ne rencontres pas le diable sur ton parcours, ça veut dire que tu fais route ensemble avec lui. Et dans notre vie chrétienne, nous sommes enclins à... Nous avons tendance à chasser les mauvais esprits, les ennemis de l'extérieur, à chasser l'esprit de ceci, l'esprit de cela, etc. Les ennemis de l'extérieur. Mais nous oublions que nous avons aussi des ennemis qui nous combattent de l'intérieur. Et nous devons savoir que les ennemis les plus redoutables sont ceux qui nous combattent de l'intérieur. Comme par exemple la peur, le doute, les inquiétudes sont des ennemis qui nous combattent de l'intérieur. Et vous allez comprendre pourquoi certains chrétiens ne font pas des progrès dans leur marche avec le Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi certaines personnes vivent un célibat prolongé et fatigant, tout simplement parce que quand on leur prêche la parole de Dieu, il y a les ennemis qui combattent la parole de Dieu de l'intérieur, qui sont les inquiétudes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je vais parler de ces ennemis, des inquiétudes, pour dire que nous devons vaincre les inquiétudes pour être utilisés puissamment sur le champ, dans le champ de Dieu.
Nous devons vaincre l'inquiétude pour vivre pleinement notre destinée, pour être utile dans la maison de Dieu. Il y a des personnes qui sont malades là, maladies psychosomatiques, je ne sais pas quel genre de maladie, à cause des inquiétudes. Les inquiétudes viennent et parfois elles repartent, mais elles vous laissent avec des maladies. Je vais vous donner quatre vérités, quatre choses que nous devons savoir par rapport aux inquiétudes. Très rapidement. La première chose que nous devons savoir, c'est que les inquiétudes ne peuvent rien changer à notre situation. Jésus-Christ, quand il parle des inquiétudes, il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? S'inquiéter, c'est quoi ? C'est éprouver de la crainte. S'inquiéter, c'est quoi ? C'est manquer du repos. C'est un état d'agitation, d'instabilité, d'un esprit insatisfait et tourmenté. Quelqu'un est là à un moment donné, il s'est dit, mais je crois que bientôt là quelque chose va m'arriver. On s'inquiète, on prend son avion, on s'inquiète, on est inquiet. Il y a une étude qui nous permet de comprendre que les inquiétudes ne sont pas utiles dans notre marche avec le Seigneur. C'est vrai que cela n'est pas, je ne peux pas dire que c'est vraiment scientifique, mais il y a quelqu'un qui est quand même parvenu à trouver que 40% de nos inquiétudes ont trait aux choses qui n'arriveront jamais. 40% de nos inquiétudes. Des choses qui n'arriveront jamais. Je crois que je vais mourir de la prostatite. Je crois que je vais mourir du cancer, du sein, etc. Je crois que je ne me marierai jamais. Je crois. 40% de nos inquiétudes ont trait aux choses qui n'arriveront jamais. Et 30% de nos inquiétudes concernent des choses du passé que nous ne pouvons jamais changer. On s'inquiète, mais pourquoi ce jour-là j'avais répondu à Jonas comme cela? Si je ne lui avais pas répondu comme cela, il n'y aurait pas eu rupture. Le passé est passé, comment tu vas t'inquiéter du passé? Le passé est déjà passé. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Oh non, ce jour-là, je crois que si je n'avais pas mangé beaucoup d'achéqués, je n'aurais pas eu ce problème. C'est déjà passé. Il y a des gens qui sont restés dans un deuil permanent du passé. Je vais te dire ceci, ce deuil-là est fini. On s'inquiète des choses qu'on ne peut pas changer. Et 12% de nos inquiétudes concernent des soucis inutiles liés à la santé. Il y a quelqu'un ici qui croit que comme son père est mort du diabète, lui aussi va mourir du diabète. Comme ça. Ou dans notre famille là. Il y a quelqu'un ici qui croit que comme dans la famille, on a des soucis comme ça par rapport à notre santé. Notre santé comme ça. Je vais mourir. Tu vas mourir pourquoi? Pourquoi tu meurs? Tu ne mourras pas. Alléluia. 10% de nos inquiétudes ont trait, ont un rapport avec ce que les gens pensent sur nous. Alors je crois que quand ils me regardent là, ça veut dire que ma tête là ne lui plaît pas. Mais ton regard sur moi n'a pas. Ce que tu penses de moi, tu penses c'est toi. Chacun a son opinion. Ce que tu penses là, ça me fait quoi? Ça fait quoi là? Oh, je pense que ma veste ici, la façon dont elle me regarde là, c'est que cette veste elle ne va pas avec moi. Non. Elle me va comme ça. Alléluia. Et selon cette étude, 8% seulement de nos soucis sont légitimes. 8% seulement. Et je vais vous amener sur le terrain où les 8% sont légitimes. Deuxièmement, parce que je ne peux pas tout dire, on n'a pas assez de temps, nous devons savoir que nous inquiéter, c'est un péché devant Dieu. L'inquiétude est un péché. Tu t'inquiètes pour l'argent, tu t'inquiètes pour ton avenir, tu t'inquiètes pour le mariage, tu t'inquiètes pour ce... Mais tu dois savoir que l'inquiétude est un péché. À chaque fois que nous faisons quelque chose qui est contraire, qui est en dehors de ce que Dieu nous recommande ou nous interdit, nous péchons. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Je sais que l'apôtre, c'est que Jésus nous dit,
Vous allez lire, que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau Testament, la Bible nous interdit de nous inquiéter. Le péché, c'est quoi? C'est la violation de la loi de Dieu. À chaque fois que nous faisons ce qui est contraire, nous péchons. Écoutez ce que Dieu dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 9. Josué qui venait de perdre Moïse, le maître, le grand homme de Dieu. Dieu lui dit ceci: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Dans Ésaïe chapitre 41 verset 10, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ésaïe 41 10: ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Bien-aimé, quand je suis avec Dieu, je suis invincible. Quand Dieu est avec moi, je suis inarrêtable. Ésaïe 54 nous dit, verset 14, bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Et Matthieu 6, que nous avons lu ici, Jésus, dans un petit passage, parle 5 fois des inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien, inquiétude. 5 fois. Ça veut dire que Jésus insiste. Jésus insiste. Ne vous inquiétez de rien. Et Jean chapitre 14, verset 1. Et cela va dans le sens du cantique que nous ont interprété nos amis de la chorale. Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Les problèmes vont venir. Les difficultés vont venir. Il y aura des vents qui vont souffler. Mais que votre cœur ne se trouble point. À chaque fois qu'il y aura des troubles, à chaque fois qu'il y aura des difficultés, croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Vous croyez en Dieu que vous n'avez jamais vu, mais croyez en moi, Jésus de Gaulle, Jésus de Nazareth. Croyez en moi. Et Pierre nous dit également que 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous. Voyez, Jésus est extraordinaire. Hein? Il sait que le monde entier a des soucis, mais il veut que Pierre nous recommande de nous décharger. Voilà. D'amener tous les camions des soucis que nous pouvons avoir et de les décharger sur Jésus. Alléluia! Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Alléluia! Il faut être Jésus pour faire une telle déclaration. Tous les camions des soucis que tu as là, va les déverser sur Jésus, parce que Jésus prend soin de toi. Les gens s'inquiètent pour 3 choses, selon Jésus. Ils s'inquiètent pour le manger, ils s'inquiètent pour le boire, et ils s'inquiètent pour le vêtir, les vêtements. Qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je vais porter? Je vous ai dit l'autre fois qu'il m'était arrivé d'adopter une stratégie très puissante qui consistait à ne porter que des habits de couleur sombre. Parce que si tu portes un habit de couleur jaune, c'est tout le monde qui verra que tu portes souvent un habit de couleur jaune. Mais si tu portes un habit de couleur noire, on va se dire que c'est une couleur qu'il a adoptée. Mais cela peut cacher un fils unique, un pantalon unique, une chemise unique. Ne vous inquiétez de rien. Il y a des gens qui s'absentent, qui restent à la maison tout simplement parce que je n'ai pas mes cheveux. Mes cheveux. Mes cheveux. Il y a des gens qui restent. Non. Et tu dis que tu aimes Jésus. Vivre par la foi, ce n'est pas se lamenter, mais c'est se tourner vers Dieu et attendre ses provisions avec confiance. Alléluia. Même dans le domaine du vêtement. Mais le Seigneur prend soin de toi.
Le Seigneur prend soin de toi. J'ai dit l'autre fois que tu auras à un moment donné l'embarras du choix. Moi, je connais l'embarras du choix qui consiste à voir que tout ça, tout est déjà abîmé. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais porter. Tout est déjà délavé. Mais il y a un embarras du choix. Tu touches, ça c'est beau. Ça c'est plus beau que ça. Je vais faire comment? Tu vas arriver à ce niveau-là. Alléluia. Troisièmement, les inquiétudes étouffent la parole de Dieu et la rendent infructueuse dans notre vie. Vous comprenez pourquoi certaines personnes font du surplace? Celui qui s'inquiète est déjà sorti du boulevard de la foi. En effet, l'inquiétude est la porte d'entrée de la peur dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous voyez, dans la parabole du semeur, Jésus explique à ses disciples que ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point les fruits qui viennent à maturité. Luc chapitre 8, verset 14. Ils ne portent jamais de fruits qui viennent à maturité. On comprend pourquoi il y a certaines personnes qui demeurent dans un célibat prolongé et fatigant, tout simplement parce que la parole de Dieu, tout ce qu'on prêche ici, ne fait rien. Malgré toutes les bonnes paroles qu'ils reçoivent ici à Bethel de Dakar, ces paroles ne font rien dans leur... Juste à la sortie de l'église, les soucis envahissent leur cœur. Et les soucis étouffent la parole de Dieu. Les soucis étouffent cette parole. Et on voit pourquoi les choses tardent, les choses ne bougent pas, les choses ne changent pas. Bien-aimé, tu n'es pas concurrent de Jésus. Il n'y a que Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Je le dis toujours. Mon bilan avec Jésus est largement positif. Je n'ai rien à envier à qui que ce soit. Mon bilan avec Jésus est largement positif. Largement positif. Il y a des personnes comme ça. Et à cause de ces inquiétudes-là, on fait du surplace. Et voilà pourquoi on va aller de prophète en prophète. Les prophètes qui viennent du Congo là, venez me voir après, je vais vous expliquer. Venez vous expliquer. Frère, nous prêchons la parole de Dieu capable de changer ta vie. Ce ne sont pas des histoires. Écoutez, moi j'ai fait la magie. Je ne suis pas impressionné par les magies. Je vous assure même que je ne suis pas impressionné par les miracles. Mais je suis impressionné par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Celui qui prêche la parole m'impressionne. La parole de Dieu prêchée, même par un petit enfant, m'impressionne. Parce que c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas ces histoires-là. Les spectacles, non. Il y a des gens comme ça. Un vagabondage inexplicable. On nous a parlé hier de la puissance des mots. Un vagabondage abracadabrantesque. Mais hier, on nous a dit qu'il faut utiliser des mots qui ont tous les sens. Alléluia. Tu vas aller de prophète en prophète. Le problème, ce n'est pas le pasteur Félix. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est toi. La parole que l'on te prêche, est-ce qu'elle porte de fruits dans ton cœur? C'est le problème. Jésus nous dit que après avoir écouté la parole là, il y a des personnes qui sont envahies. Cette parole est étouffée par les soucis. Vous savez, quelqu'un qui se soucie trop là, c'est d'abord un incrédule. Il n'a pas la foi. Il ne sait pas que Dieu peut intervenir et changer sa vie. Mon frère, Dieu n'a pas besoin d'un siècle pour changer ta vie. Il n'a pas besoin de... Dieu est capable de changer ta vie maintenant là. Alléluia. Les inquiétudes nous amènent à mettre Dieu dehors et à commencer à nous débrouiller tout seul. Elles sapent notre foi et nous mettent en porte-à-faux par rapport à Dieu, car la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et quatrièmement, pour terminer, par rapport toujours aux inquiétudes, les inquiétudes nous empêchent de nous concentrer sur nos vraies priorités. Quelles sont les priorités d'un enfant de Dieu?
C'est quoi la priorité pour un enfant de Dieu? Est-ce que c'est s'habiller? Est-ce que ce sont des cheveux qui viennent du Brésil? Est-ce que c'est de la dépigmentation de la peau? Qu'est-ce qui doit être la priorité pour un enfant de Dieu? On s'inquiète. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. On s'inquiète. Jésus nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Pour le peuple de Dieu, il y a des préoccupations qui sont saines. Pour la gloire de Dieu. Il y a des, c'est comme c'est les psalmistes qui s'inquiètent au fait, qui est mû par le souci de plaire à Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Est-ce que ta relation avec Jésus, ton intimité avec Dieu, voilà ce qui doit te préoccuper. Combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps tu passes dans la méditation de la parole de Dieu? Combien d'âmes as-tu déjà gagné depuis que le mois d'octobre, depuis que l'année a commencé? Es-tu toujours fidèle? Ta marche avec Dieu, est-ce que tu t'inquiètes? Est-ce que tu as dû... Ça t'est fait de... Tu t'es dit, est-ce, je suis seulement au même niveau? Est-ce que je garde la flamme que j'avais au début? Il y a des préoccupations qui sont légitimes. Écoutez ce que Jésus nous dit. Prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. L'Église, est-ce que nous nous préparons au retour de Jésus? Est-ce que nous nous préparons réellement au retour de Jésus? Église de Jésus-Christ, est-ce que nous nous préparons? Nous sommes prêts. Dans ton agenda, quelle est la place que la mission occupe? Jésus dit ceci, ne vous inquiétez de rien. Pardon, c'est l'apôtre Paul qui nous l'a dit. Dans Philippiens chapitre 4, je lis les passages. Ne vous inquiétez de... Quand Dieu dit de rien, veut dire de rien. Ne vous inquiétez de rien. Même si le médecin t'a diagnostiqué un cancer, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de... Mais il y a un miracle qui vient se passer par là. La Bible dit ceci. Il y a la paix de Dieu qui vient s'interposer entre toi et la cause de tes soucis. C'est un miracle que d'avoir un enfant gravement malade et de ne pas s'inquiéter. C'est un miracle d'avoir la paix du cœur quand on est dans un célibat qui prend beaucoup de temps. C'est un miracle. La Bible dit qu'il y a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On ne peut pas comprendre cela. La paix de Dieu vient s'interposer entre toi et le problème. Lorsque tu as la paix du cœur, alors que la situation est compliquée, ça veut dire que ton Dieu est là et il veut tout simplement te dire, « Mon fils, je suis là, j'agirai au temps convenable. » J'agirai au temps convenable. Ma femme est venue un jour, elle vendait des téléphones quelque part. Elle me dit, un téléphone, je viens de perdre un téléphone qui coûte cher. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire à mon patron. On a dit, ok, on va prier. Je commence à prier, j'ai la paix. Je lui dis, maman, on peut arrêter là. Je crois que ce téléphone n'est pas perdu. On a arrêté la prière. Et le lendemain, quand elle rentre, elle trouve qu'elle l'avait égaré dans les rayons. Tout simplement. Voilà. Si tu n'avais pas la paix du cœur, le thermomètre là, tu as un témoin intérieur qui t'aide à comprendre que Dieu est avec toi malgré le trouble. Alléluia. La paix intérieure, c'est quelque chose de très important. Quelqu'un ce matin a besoin de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. L'apôtre Paul est mieux placé pour nous parler de la paix, nous parler de ne pas nous inquiéter. Il est mieux placé. Vous le voyez avec Silas là. Ils sont emprisonnés dans Actes chapitre 16.
Et on dit même que leurs pieds sont attachés au cep. Et ils sont dans la prison intérieure. Mais la Bible dit que Paul et Silas se sont mis à chanter. Ils se sont mis à chanter. Écoutez, prenons d'abord ce texte. Commençons par les commencements. Je vais terminer par là et nous allons prier. Nous sommes dans Éphésiens, bien sûr. Philippiens 4. Écoutez, à partir du verset 4, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Réjouissez-vous toujours dans... C'est très important. Ma joie dépend de ma relation avec le Seigneur. Ma joie ne dépend pas de ma femme. La Bible ne dit pas, réjouissez-vous toujours dans les femmes. Réjouissez-vous toujours dans les téléphones, dans les smartphones. Réjouissez-vous toujours. Non, non, ce n'est pas ça que Jésus a dit. Si tu te réjouis dans les smartphones, un jour le smartphone va tomber en panne. Si tu te réjouis dans ta femme, nous qui sommes mariés là, les célibataires, venez nous voir. Nous avons des choses à vous dire. Il y a des fois comme ça, on se réveille là. Tu essaies de la toucher. Tu te demandes, mais c'est ma femme ou bien c'est pas ma femme? Et les femmes là, les mamans là, vous êtes très fortes. Hein? Elles te regardent là, tu te dis, c'est ma femme ou bien c'est pas ma femme? Elles sont capables d'empoisonner tout un ministère. Elles sont capables. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, n'est-ce pas? Mais l'insensé fait quoi? C'est-à-dire que les femmes sont capables du meilleur, tout comme elles sont capables du pire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ma soeur, si tu fais dépendre ta joie de ton mari, tu es malheureuse. Un jour là, tu lui demandes l'argent, il ne sait pas. Tu le verras avec son poste récepteur, sa radio là. Les réseaux sociaux sont venus, mais je crois que c'est pour détruire nos mariages. Tu le vois là sur WhatsApp, papa. WhatsApp ne doit pas te séparer de ta femme. Prenons tout le temps, toutes les minutes que nous passons devant nos petits écrans de WhatsApp, de smartphone là. Nous les hommes là, consacrons ça à nos épouses. Vous allez voir que nous aurons des mariages bénis et guéris. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, je le répète, il insiste, réjouissez-vous. Et quand l'apôtre Paul écrit, il est en prison. Cette lettre, c'est une lettre de la captivité. Il est mieux placé pour nous dire ça. Et il continue pour dire, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Moi qui te dis ça, vous êtes bénis d'avoir des gens qui sont passés par des situations compliquées. Il y a une expression que j'aime. Je voulais dire l'apôtre Félix. Le pasteur Félix disait, tu vas envier l'apocalypse de quelqu'un. Est-ce que tu étais là quand la Genèse était là, quand la personne était dans sa Genèse là? Tu vas être comme tu veux devenir. Mais écoutez, n'enviez personne. Pourquoi? Parce que pour être comme le pasteur Félix, il y a des batailles, il y a des choses, il y a des brisements. Eh bien, tu vas te retrouver dans un contexte où tu n'as pas été préparé. Tu n'as pas été préparé. Ne vous inquiétez de rien, de rien, de rien, de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Le moyen le plus simple, par des prières et des supplications, mais avec action de grâce. Action de grâce pour tout ce que Dieu a déjà accompli. Action de grâce parce que tu as la vie. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je suis en vie, hein? Ça veut dire que le Seigneur fera avec moi des choses extraordinaires. Le célibataire qui est là, glorifie le Seigneur parce que ton mariage sera un mariage de rêve. Alléluia. Les voitures qui sont là, c'est rien par rapport à ce que Dieu va faire avec toi. Tu dis merci à Dieu, mais
Tu pries, tu supplies Dieu tout en sachant que Dieu, de la même façon qu'il a fait avec X, il le fera aussi avec moi. Il y a quatre choses que nous devons faire pour vaincre l'inquiétude. Je ne donne pas ça aujourd'hui. Parce que nous sommes dans le temps. Alléluia. C'est comme ça, donc. J'espère bien que ce sera même la meilleure façon de vous dire au revoir le dimanche prochain. Alléluia. Il y a quatre choses que nous devons faire pour vaincre définitivement les inquiétudes. Nous allons nous tenir debout, bien-aimé. Nous allons prier par rapport à cette partie. Qu'est-ce qui t'inquiète? Alléluia. Qu'est-ce qui t'inquiète? La Bible dit, Dieu nous recommande de bannir l'inquiétude. De bannir totalement l'inquiétude.